Bonsoir tout le monde, nous jeudi 11 juillet 2024, nous comptons rentrer la CAO dans l'ESA en collaboration avec VOA Créole pour être capable de porter toutes nouvelles par la CAIPADO avec l'autre bout de l'eau pour nous. Mais parmi quelques points à gagner pour nous venir développer dans le journal ça, gagner Premier ministre haïtien Garry Conille qui visitait l'aéroport international Toussaint Louverture avec direction immigration avec émigration. Bayotan, c'est non présumé gang qui devait partir des groupes gang en Grand Avignon. Qui lui-même tombé en bas la police, eh bien, dans la commune Léogane. Gagné ministre des Affaires sociales et travail, Georges Woodley Frank, qui lui-même déposé déclaration patrimoine dans le tribunal, première instance, Port-au-Prince. Et puis, l'autre bord de l'eau, nous allons parler de 75e sommet OTAN, qui lui-même prend fin jeudi. Majorité pays qui a participé dans le 75e sommet, ça, gain pour bail un montant de 40 milliards d'euros pour le pays Ukraine pendant l'année cap venir là. Et puis, nous pour aller dans le pays Kenya, gain un président pays Kenya, William Ruto, qui lui-même fait un remaniement dans le gouvernement là, jeudi. C'est parmi quelques points avec plusieurs les autres, nous avons gagné pour venir développer dans le journal. Une autre fois encore, nous saluons tout le monde qui est connecté. Bienvenue dans le développement journal. Un journal qui fait en collaboration avec VOA Créole. Nous avons démarré le journal avec information qui vient pour la politique. Premier ministre haïtien, Garry Conille, eh bien, également, qui est ministre dans la question ministère intérieur et collectivité territoriale, visité mardi 9 juillet 2024 à l'aéroport international avec direction immigration avec immigration. Objectif visite ça, c'est pour le capable, eh bien, garder conditions de travail, agent, eh bien, dans direction immigration avec immigration, avec état, équipement et puis infrastructure qui utilisé pour capable contrôler les passagers. Monsieur Conille, lui entend pour le pencher sous différentes contraintes matérielles et puis logistiques dans l'idée pour le capable améliorer les conditions de travail pour le rendre plus célèbre, efficace et efficient. Processus personnalisation documents voyageurs, tant en Haïti que pour diaspora. D'après ça, eh bien, notre ministère lui-même, lui, mettait dehors, on a parlé de ministère intérieur avec collectivité territoriale. L'autre information dans le journal, appelé nous, dossier et sécurité. Eh bien, pour nous dire que gagné un bayotan qui c'est non un présumé gang criminel qui lui-même fait voile pour pays sans chapeau. N'a pas rappelé bayotan qui c'est un présumé eh bien un criminel qui était dans un Grand Ravine qui lui-même joigne l'amoli. C'est la police qui a touillé eh bien un présumé criminel ça. Dans une localité qui est Cormier, tout près du fort, dans la commune Léogane, eh bien, individu ça, lui est tombé dans l'après-midi, mardi 9 juillet 2024, selon information qui vient de nous, bah, autant t'avoir tenté de mettre sous pied un groupe gang, côté que lui t'avoir dirigé dans l'habitat, dans zone d'Abonne, eh bien, présumé et criminel ça, qui lui-même tombé en babal la police. L'autre information dans le journal pour mener nous dossier et politique, gagné ministère Affaires sociales et travail, eh bien, qui annonce nous que ministre Affaires sociales et travail, Georges Wilbert Franck, l'a déposé hier mercredi 10 juillet 2024, là, déclaration patrimoine dans greffe tribunal la première instance Port-au-Prince. J'ai ça, d'après lui-même, l'y rentrer dans une démarche en transparence. Ak respect exigence légale yo pa jè sa mwen vle rappele ak populasyon kan tout transparans mwen pliye mwen devan exigence la loi nan kadre fonksyon mwen se sa ke li afirme padan ke li souligne importans aksyon sa pou l kapab preveni korupsyon nan sen administrasyon publik lan. Ministre a indiqué que Premier ministre Garry Conille encourageait toute ministre pour qu'elle soit capable eh bien faire des marches ça dans un délai de 30 jours
suivant et bien prise fonction li fait connaître tout et que li promet pour capable refaire AXA à 30 jours avant en fin mandat. Et bien n'a pas rappelé que déclaration patrimoine non c'est une exigence constitutionnelle qui consacrée dans la loi et qui visait à garantir que vos fonctionnaires yo-même yo pas tiré profit personnel illégitime de provision yo. L'autre information dans le journal pour amener nous à l'autre bord de l'eau pour que nous capables d'allouer information concernant 75e sommet OTAN qui tape organisé eh bien dans ville Washington eh bien c'est jeudi eh bien 75e ça lui-même li fini faut nous dit gagné pays OTAN yo qui a décidé eh bien hier mercredi pour que yo capable bailler aide militaire à pays Ukraine qui atteignent un minimum 40 milliards d'euros. Selon texte déclaration en commun, eh bien, nous comptons dégager une enveloppe qui a la donne moins que 40 milliards d'euros pour l'année qui vient là et pour nous capables de mettre ensuite assistance à la sécurité à un niveau soutenable eh bien, pour que l'Ukraine capable eh bien remporter d'après ça que 32 pays qui t'a participé dans un sommet OTAN, eh bien, un fait qu'on est, n'a pas rappelé, 75e sommet OTAN, ça, il était fait dans la ville Washington et majorité point yo, c'était plus concernant pays Ukraine, nous connaissons jeune aujourd'hui, qui a bombardé par pays la Russie. N'a pas continué avec information yo, cette fois-ci, eh bien, nous parler dans pays, eh bien, Kenya. Côté que le président du pays Kenya n'a parlé de William Ruto, il fait un gros remaniement dans le gouvernement là. Eh bien, monsieur ça, qui c'est William Ruto, par rapport avec dernière élection, qui était dernier mouvement mobilisation qui était gagné dans le pays ça, 2 semaines après manifestation qui était gagné eh bien, dans le pays ça, eh bien, il faut nous dire que une série de manifestations. Qui était la cause en pile moun a perdu la vie. Le président Kenya, William Ruto, il a annoncé jeudi que il limogeait quasi totalité membres du gouvernement. C'est seul vice-président et ministre affaires étrangères qui lui-même était dans le poste. Et n'a pas rappelé un remaniement qui est attendu. Le président kényan William Ruto lui a annoncé ça eh bien jeudi 11 juillet limogeage presque tout gouvernement à l'exception de vice-président et puis ministre affaires étrangères là 2 semaines après manifestation anti-gouvernementale qui était virée au carreau eh bien après que eh bien li fin coûté peuple kényan d'après ça que li dit li fait une évaluation globale de performance cabinet li avec réalisation et puis défi. Jodi, il prend décision pour qu'il soit capable de limoger avec effet immédiat tout membre gouvernement. D'après sa chef l'État à pays Kenya, il a annoncé dans le cadre d'une conférence pour la presse que l'État bail dans State House, qui c'est palais présidentiel, un remaniement ministériel eh bien, qui t'étonne depuis manifestation. Yo et qui te gagné en pile dégaladan d'adan après annonce nouvelle ponction fiscale ça en juin qui te poussé milliers jeunes à protester dans la rue c'est seul ministre affaires étrangères là avec vice-président qui yo même conservé et portefeuille yo d'après ça que président eh bien William Ruto lui-même il déclaré n'a pas rappelé William Ruto c'est un président pays eh bien Kenya ces informations ça nous mettez fin avec journal là nous devons prendre plaisir pour que nous soyons capables de porter un journal ça la caisse en bio n'a pas invité à rester connecté eh bien sous internet là pendant que eh bien journal là a pas poursuivre avec VOA Creole. Rendez-vous, quelques grands points cap dominé actualité. Jeudi 11 juillet 2024, là, rideau tombé sous sommet l'OTAN dans Washington DC qui coïncidait avec 75e anniversaire Organisation Traité Atlantique Noir. États-Unis, élections, sondages, rassemblement, débat à attaque politique dans cadre campagne présidentielle Biden-Trump là, dans moment parti républicain pral gagner convention semaine qui vient là dans Milwaukee.
Dans Kenya, président William Ruto fait un gros remaniement dans le cabinet ministériel là, dans mitan gros mécontentement populaire. Et puis dans le pays d'Haïti, visite Premier ministre Garry Conille, entre autres dans l'aéroport international Toussaint Louverture là, dans quatre virerons dans plusieurs institutions administration publique là. C'est point ça yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment et gros événement, c'est dans Washington DC lié côté rideau yo, nous voulons dire clôture là a fait sous sommet l'OTAN qui était commencé le 9, 10 et puis 11, c'est jeudi à c'est 11 qui t'a fait dans Washington DC. C'est un sommet qui coïncidait avec 75e anniversaire Organisation Traité Atlantique là, nous gain sous place gentil Augustin Junior avec Fred Kaimit et voilà nous gain Junior nous gain gentil Augustin Junior et gentil dit nous non et si je dis assez pratiquement c'est rideau qui pral tomber, c'est gros rassemblement, c'est un gros moment dans cadre sommet ça qui ça ou dans sommet ça qui sont senti qui ont capable décrire ambiance là pour nous. Merci un peu Jacqueline. Et je dis à ce dernier jour sommet qui était doué fait pendant 3 jours, 9, 10, 11, et je dis à ce dernier jour, rideau tombé. Mais nous déjà connaissons, dans le sommet ça, point central là, discussion centrale était sous l'âge et sous Ukraine, côté que tout débat était tourné autour de l'Ukraine et il y a un pile rencontre tout. Pendant le sommet a fait dans le Walter Center Convention, mais t'es gagné l'autre petite rencontre qui gagne en dehors de sommet là. D'a regardé tout à l'heure là et un président Biden t'est rencontré ensemble avec un président et Zelensky côté t'a discuté sur avenir guerre ça qui gagne en Ukraine et en dedans gagne des forums publics côté que leader yo même yo toujours prend sans yo à parler à dire ça ce qui ça qu'a passé en dedans sommet avec public là et comme ça depuis hier t'es gagné des attaques contre la Chine, ça veut dire participation de la Chine, support que la Chine lui-même la baille en Ukraine dans la guerre contre la Russie. L'invasion de la Russie était faite en 2022 dans le pays Ukraine. Le président Biden lui-même dit que la Chine, Corée du Nord, Iran a porté support la Russie en façon pour capable combattre avec Ukraine. Et même Jean Tout, Jens Stoltenberg, qui est secrétaire général de l'OTAN, li même tout li longe droit sous la Chine qui toujours a supporté en guerre ça qui gagne en Ukraine et n'a regardé journaliste était présent nous te croiser avec John Kirby côté que yo là dans salle dans media center a c'est une ambiance c'est un tout monde motivé il a regardé qui ça cap sorti et nous même nous était n'a suivre qui ça cap sorti tout dans dernier jour ça qui c'est sommet des Américains qui coïncide avec 75e anniversaire alliance. Right now, Russia. Kounyeya, la Russie en position la guerre dans ça qui concerne production défense. Li continue à augmenter production li dans zam, munitions et machines. Et puis tout ça avec aide la Chine, Corée du Nord et Iran. Nous pas capables. Dans opinion moins permettre alliance là à perdre temps. Pour Jens Stoltenberg, secrétaire général l'OTAN. Ukraine sous une route sans détour pour venir membre l'OTAN. Et dit organisation a gen intention pour bailler Ukraine une enveloppe au moins cap gen 40 millions d'euros pour année cap venir pour kakembe assistance sécurité dans un niveau durable pour gagner la guerre. Secrétaire général la te dénoncé tout si pour la Chine bailler la Russie dans la guerre contre Ukraine. La Chine a joué un rôle clé dans la guerre la Russie contre l'Ukraine. Si pour la Chine augmenter menace la Russie sous sécurité euro-atlantique là. Allié yo te dit li clairement que la Chine pas ka permettre prolongement plus gros guerre Europe là dans histoire récente yo. Continuer sans yo pas nuit intérêt à réputation li yo. Jeudi 11 juillet 2024 là, la Chine demande organisation traité Atlantique Nord pour suspendre inciter confrontation entre bloc yo après mauvais critique alliance Atlantique là té accusé Pékin cap bay Moscou aide important dans invasion Ukraine. Nous encourager l'OTAN pour réfléchir sur cause profonde crise là ak propre action li yo.
koute bien vwa kominote internasyonal la ak pran mezi konkre pou amelyore sityasyon wan. O liye yo lage responsabilite ya sou lot moun. Nan yon rankont tèt a tèt ant prezident Joe Biden ak prezident Volodymyr Zelensky, jeudi 11 juye 2024 la, de prezident yo te diskite sou fason pou yo rive jis fini la gè ya ak la Risi. Epi, yo te mande pou yon dezyem somè la pè anè sa. Prezident Biden te di, "We will stay with you, nou pral rete avèk ou, période." Prezident Zelensky te repond, "Together we are. Ansanm, nou sove pèp nou." Nan yon forum piblik nan somè ya, Conseiller Sécurité Nationale la Maison Blanche, Jake Sullivan, te fortement condamné attaque la Russie qui saute passé yo. Tankou, attaque sur yon l'hôpital Timoun nan Kiev semaine sa. Et puis, li mette accent sur collaboration kap continue ak Ukraine pour renforcer défense contre agression la Russie yo. Putin cannot divide us. Putin he cannot outlast pa us. Diviser he cannot weaken us. Li pa ka siviv ak nou. Li pa ka febli nou. Et Ukraine pa la Risi pral domine la gè sa. Peyizaj konfli sa jodi a diferan anpil pase sa li teye nan mwa avril la. Le Ikren te manke founiti ak ekipman. Epi, la Risi te an mouvman jodi a. Sou chan batay la, la Risi ap pran frap. Men, li pa ka antre. Ikren ap frape fò. Epi febli kapasite e strategik la Risi yo. Lider Organizasyon Trete Atlantik Nord yo, renkontre nan yon reyinyon pandan somè ya nan Washington yè mèkredi ya, eksprime profon enkyetid yo sou rapprochman ant la Risi ak la Chin, epi peyi mam lotan yo te profite fè promes pou augmente sipò ya bay Ikren, edi ke chak mam nan lotan ap fè pati pa yo pou asire ke alians lan rete jam. Aloske, minis afè etranjè la Chine nan kalifiye deklarasyon Organizasyon Trete Atlantik Nord ki di la Chine vin toune yon patizan desizif nan la gè la Risi kont Ikren nan enjis ak malveyan. Janti Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil Augustin Junior, gentil c'est envoyé spécial service que là dans sommet l'OTAN cap déroulé dans Washington. D'ici nous parlons dans actualité électorale ici aux États-Unis côté gain gros débat dans mi-temps parti démocrate là sous candidature président Joe Biden surtout après mauvais performance l'été bail dans débat contre ancien président républicain Donald Trump. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous débat ça surtout débat en dans parti démocrate là pour connait est-ce que vraiment et y a kembe président Joe Biden pour élection 5 novembre ou bien yo pral choisi yon l'autre moun Jean-Robert. Donc c'est gros débat ça ici aux États-Unis dans actualité électorale là. Effectivement Jacques Jondia et c'est un gros débat et c'est pratiquement et première fois que yon débat comme ça sous choix ou candidat au Parti démocrate là dans prochaine élection yo. Et raison qui dans base là c'est performance et président Joe Biden te met pendant premier débat te face à candidat républicain Donald Trump et leur raison sont question de l'âge parce qu'en pile monde y compris même parti à quoi li pas capable et diriger le pays à cause de l'âge li et puis tout difficulté li ka gen pour remporter l'élection devant candidat parti républicain Donald Trump et c'est raison que en pile débat fait pour ouais est-ce qu'il est possible pour être remplacé avant même convention parti démocrate là dans mi-temps mois d'août là. Président Joe Biden continue à résister sous pression quelques membres parti démocrate là a fait pour l'abandonner cou cela. Devant ça, il a fait, dans le moment quand il a pressenti le Parti républicain, Donald Trump mandait un autre débat pour qu'il puisse prouver les qualifier pour diriger les États-Unis. Ancien président de la Chambre des députés, Nancy Pelosi, ses dernières voix influent le Parti démocrate là, qui a doute Biden a représenté le Parti dans l'élection présidentielle 5 novembre. Député californien qui a parlé sous chaîne télévision MSNBC déclaré c'est président Biden qui lui décide lui-même s'il a arrêté dans course là. Nous tous campé derrière Dol, nous tous encourager pour prendre décision à cause pas arrêté en pile temps. Président Biden prend engagement pour arrêter dans course là pendant d'y insister pour dire c'est l'Éternel qui capable mandel pour mettre fin dans course là.
Nèg député démocrate pour vivre avec un sénateur mandé président au vêtement pour mettre col à côté à possibilité pour vice-président Kamala Harris ta remplacer. George Clooney qui s'est participé dans une campagne ramasser l'argent dans Hollywood pour président Biden a ajouté voile parmi supporters démocrates qu'a encouragé président pour l'écraser ont quitté ça. Acteur a déclaré réservoir écrasé. Tout ça nous pour nous faire, c'est enterrer tête nos ambassades en mai et puis prier pour un miracle arrivé en novembre. Ou bien nous capables de dire la vérité. Clooney a ajouté démocrate replacé dans le Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi, sénateur, député avec l'autre candidat qui est capable de perdre l'élection en novembre, besoin de demander au président pour abandonner tout cela volontairement. Pour parler à la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui était abordé des questions à journalistes, m'a dit de JEA, reconnaître le président est passé un mauvais moment pendant le débat. We understand. We're not taking away from what you all saw. Nous comprenons. We understand. Rien. It was a bad night. Ou bien, it is américain était observé. Nous comprenons. C'était une mauvaise soirée. Je dis à qui mon grand démocrate là qui est capable de remplacer Joe Biden avant la convention partie dans ce mois août là. Professeur Larry Sabato, directeur University of Virginia Center for Politics, déclare. There is only one way for a nominee to be removed, and that is for the nominee to decide not to run. Seule façon pour remplacer un candidat désigné, c'est s'il décide d'abandonner pour cela lui-même avant la convention. Hein? Pour l'ouvrir pour cela, pour n'importe quel candidat qui a besoin de support délégué. Pour sa fête, une grosse délégation démocrate doit aller dans la Maison Blanche pour convaincre le président ensemble avec Mme Lee. Le professeur a proposé une liste de 5 candidats parmi eux, vice-président Kamala Harris, avec le gouverneur californien Gavin Newsom, qui est capable de gagner accès à campagne de l'argent. Proposition pour remplacer le président Joe Biden avant la convention en clair. Mais il n'est pas facile. Tout autant président lui-même a résisté pour l'abandonner pour cela. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Pendant ce temps, dans le camp républicain, c'est réjouissant ce côté que l'ancien président Donald Trump continue à dire que le Parti démocrate a tête en bas, côté que yo a fait président Joe Biden passer un mauvais quart d'heure, et il dit que c'est un des plus mauvais président que le pays a jamais connu, et lui-même l'a avancé dans la direction de la Maison Blanche. Donc ça veut dire que son débat qui est vraiment tête chargée entre Parti républicain qui gagne dans la tête les présidents ancien président et Donald Trump qui pourra le représenter Patia et gagner et convention qui a fait semaine cap vin là dans Milwaukee et après ça a gagné convention Parti démocrate là. Donc VOA Creole a suivi de très près pour actualité électorale là ici aux États-Unis. Actualité internationale là a mené nous connait dans pays Kenya côté président William Ruto fait un gros remaniement ministériel dans mitan gros mécontentement populaire côté là il a même a demandé pour démissionner. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B. Jodia, conformément à pouvoir article 1521 à 1525B Constitution et à section 12 loi procureur général, moi décidé révoquer immédiatement tout secrétaire cabinet à procureur général Kenya, cabinet Kenya, excepté premier secrétaire cabinet pour secrétariat, secrétaire cabinet pour affaires étrangères, affaires diaspora et naturellement bureau vice-président pas affecté. Président William Ruto a annoncé jeudi 11 juillet 2024 là, révocation presque tout cabinet là, à l'exception vice-président et ministre affaires étrangères, après environ 3 semaines de manifestation anti-gouvernementale qui t'aimait pays à tête en bas. Malgré le gouvernement a fait bac sur un projet budget, manifestants ont continué côté ont réclamé démission président Ruto. Dans une adresse télévisée, président Ruto a annoncé décision ça après ça le dit, tant des voix peuple Kenya et après évaluation globale performance cabinet là, à toute réalisation et défi qui devant gouvernement. Et qu'on y a dit, il pral fait consultation à travers différents secteurs et à formation politique pour le former un nouveau gouvernement. C'est dans la date 26 juin 2024 là que le gouvernement a retiré un projet budget qui a fait en pile par en pile dans le pays. Un plan qui prévoit augmentation taxes
et manifestants ont entré dans le Parlement un jour avec fracas et ont même mis feu dans le bâtiment. Et la police a utilisé balles réelles d'après l'agence officielle protection droit monde pour être capable de faire face à l'action manifestant. Et laisse ça 39 moun pour Pipiti te mouri. Président William Ruto qui montait sous pouvoir en août 2022 a fait face à en pile difficulté et en pile défi pour le faire système dans marché et satisfait pour moi c'était fait pour des amis. Voilà, c'était situation dans pays que haïtien Gary Conille les visiter direction immigration et émigration dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture là dans l'idée pour le fournir garder état équipement et infrastructure qui utilisé pour contrôler passagers. Il y a un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Pendant visite ça, docteur Gary Conille était accompagné du directeur général ministère intérieur Amos Zéphirin, directeur général cabinelli Michel Modestin, ingénieur système direction immigration et émigration Jean-Ocelyn Lambert. Objectif principal visite ça, c'était informer de conditions travail agent immigration yo et état condition équipement et infrastructure utilisé pour contrôler passagers yo. Titulaire ministère intérieur a compté plancher sous différentes contraintes matérielles et logistiques dans l'idée pour améliorer conditions de travail agent yo. Nous font bon petit parler avec personnel là qui partage avec nous difficulté yo gagne dans fonctionnement yo risque qui gagne que pour adresser rapidement moyen que yo fonctionner tous les jours nous là avec directeur immigration justement pour nous voir comment nous pouvons améliorer conditions de travail yo, et puis certainement tout assurer que nous minimiser risque sur un processus qui est très fragile qui est très délicat que nous pas qu'à quitter à aucun moment fragilisé. Ministre intérieur a profité par les taux de nécessité pour un processus personnalisation documents voyageurs plus rapide, efficace, efficient tant en Haïti que dans la diaspora. Il y a des solutions à mettre en place là sur le court terme, mais les bonnes garanties, il y a des solutions à envisager sur le moyen terme pour que le dossier passeport soit traité beaucoup plus rapidement. Nous connaissons que des dizaines de milliers d'Haïtiens qui sont en souffrance parce que le bail fait passeport et le bail fait. Donc ça, on va accueillir les gens pour nous et nous cherchons les gens pour nous capables d'adresser le plus rapidement que possible. Ministre intérieur, qui c'est en même temps chef gouvernement, fait diverses autres visites dans ce maintenant. Tant qu'il est allé tout dans l'ONI, côté l'État prend information et évalue l'institution ça dans le cadre perspective organisation prochaine élection générale dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Merci Yves Manuel, n'a pas été toujours dans le pays d'Haïti, côté 5 organisations et droits humains parmi RNDDH et POHDH. Il a écrit au Premier ministre Gary Conille pour demander de mettre en application 5 points stratégiques pour résoudre la crise sociopolitique et économique que pays a confronté depuis quelques temps. Il y a un reportage Renan Toussaint depuis capitale haïtienne dans Port-au-Prince. 5 organisations de Mounzaïo, CRNDDH, POHDH, SEC Réflexion, CGLAP, Agnec Baron, qui rencontrent la presse jeudi 11 juillet 2024 là, dans le cadre suivi une correspondance, qui a été adressée dans la date 4 juillet passé à Premier ministre Gary Conille, dont une copie à joindre Conseil présidentiel transition pour faire nouvelle autorité au part des 5 points estimés qui est important en pile pour le gouvernement à travailler sur eux. Dans l'intention pour rétablir la paix et la sécurité avec une loi démocratique durable. 5 points ça, c'est par exemple, pas ta doué gen dialogue avec bandits, ni amnistie, agent qui fait partie force multinationale soutien à la sécurité, pas doué agir en violation de la monde dans le pays. Il faut que la paix et la sécurité retourne avant l'organisation élection. Enfin, c'est justice et réparation pour victimes insécurité yo que y a demandé d'après madame Marie-Rosie Auguste du Sénat responsable programme dans RNDDH. Conséquences violence ça c'est des conséquences qui énormes sur victimes yo. Non seulement nous comptons victimes yo justement par milliers et nous comptons tous des proches de victimes qui obligé courir quitter la caillou par des centaines de milliers et donc je n'ai aujourd'hui a nous estimer cette organisation ça yo que gouvernement li supposé pencher sous question ça. En termes de recommandation par rapport à démarche ça yo, madame du Sénat dit pas doué gain dialogue avec bandi ni amnistie pendant le mandat gouvernement prend toute disposition nécessaire à travers des 8 juridictions pays. Nous avons le premier ministre là pour le passer ministre justice li en instruction pour le mandat tout paquet première instance tribunal première instance dans pays
particulièrement parquet tribunal première instance dans Port-au-Prince, dans Tigouave, dans Croix-des-Bouquet, dans Saint-Marc avec dans Gonaïves, yo mettez action publique en mouvement contre bandi armé. Bon côté parle à l'ermi Pierre Villus pour POHDH qui parlait sous problème corruption, eh bien, il y a un signal clair que l'autorité a dû voyer par la population pour démontrer tout bon vrai qu'il y a bataille contre fléau ça, il y aurait les corruptions, eh bien, c'est prendre toute disposition pour faire tout membre gouvernement faire déclaration patrimoniale. Jean, la loi 12 février 2008 là, mandé ça. Donc, quoi son élément fondamental et son signal clair, il y a voyé qui montrait que yo vle rompre, divorcer à pratique corruption. Pendant que directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, souhaitait agent mission multinationale soutien à sécurité qui déjà souterrain commençait frapper pied à terre dans quatre chiffres pour accompagner PNH rétablir l'ordre et la paix en Haïti. Wena Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. N'a quitté Port-au-Prince, nous prenons Atlanta, Georgia, pour nous voir un cas qui est très particulier, qui a un rapport avec la justice et qui a un rapport avec un Haïtien. Enterrement Jean-Claude Laguerre, qui était perdu la ville après qu'il était tombé dans le travail. Mais ça a provoqué un pile réaction dans la communauté haïtienne, dans l'État de Georgie. Nous avons sous place Yurmi Janet, qui a dit nous plus. C'était dans l'église de Dieu Gethsemani, dans Lawrenceville, dans l'État de Georgie, un funérailles symbolique était chanté pour M. Jean-Claude Laguerre, un Haïtien qui était entré aux États-Unis dans le programme Biden. Il est arrivé perdu la ville dans l'hôpital dans Douglas County après qu'il était fini de tomber dans le travail. Yon la mort qui générait un pile doute dans la famille de fin à la communauté haïtienne Atlanta parce qu'ils ont brûlé quoi sans autorisation famille. Pour moi, régler affaire enterrement. Tout ça que je suis capable, tout ça que je suis accumulé pendant 40 ans, ça, pour madame la guerre, pour monsieur la guerre, jeune justice et pour famille, pour conforter. Nous connaissons fait là, il est déjà fait déjà, mais ça ne peut pas passer comme ça. Nous vraiment déplorer ça qui arrivait. Hein. Comment que M. Laguerre a perdu la ville, non, nous capables de dire bagay qui est très tragique. Et ceci qui suscite nous pour nous venir porter collaboration ensemble avec la famille. Hein. Moi, premièrement, c'est nous, moi, content que nous capables là pour nous supporter la famille. Hein. C'est très important pour nous capables toute en communauté qui vient unie à cause de une cause comme ça. Comme une organisation femme, nous venons, International Women of Hope, nous venons pour nous camper avec madame ni, avec petite li. Premier, ça qui t'a attiré l'attention, c'était circonstance la mort là. Et c'était recommandation nous également, car nous t'ai recommandé également poursuite légale si nécessaire. Nous tous c'est haïtiens, donc à chaque fois qu'un haïtien a un problème, c'est tout haïtien qui a supposé un problème. Donc, c'est comme ça que je suis entrée dans le cas ça, côté pour moi, une femme, même j'ai avec moi, j'ai perdu Maril, donc elle était besoin d'aide, moi, j'ai décidé d'aider. Je demande justice pour Maril. Et je demande tout pour l'autre monde, pour continuer victime, même j'ai avec Maril victime. Parce que la douleur, ça me ressentit, je ne souhaite personne l'autre monde vivre encore. Parce que ce n'est pas facile pour moi. N'a fait qu'on est, Jean-Claude est tombé dans le jardin côté l'étape de travail avant l'étape de mourir dans l'hôpital dans Douglas County. Pour qu'on y ait, en pile mise en place a fait pour qu'il y ait une poursuite judiciaire sous l'amour citoyen haïtien. Yumi Janit pour VOA Creole, Atlanta. Merci Yumi Janit, n'a quitté diaspora et nous allons entrer dans le département nord pays pour nous parler de jeunesse et avenir jeunesse. Nous sommes sur place correspondant nous Gérard Maxino. Organisation No England Human Rights, NEWO, démarré mercredi 10 juillet 2024 lan, ak 3e série formation li nan commune Limbé. C'est plus passé yon centaine jeunes qui te participé nan séminaire formation sa qui te déroulé sous thème yon jeunesse haïtien face à avenir li. Selon président NEWO, Josué Renaud, séance formation sa ou pral permettre jeunes yo reconnecter ak pays a pour l'autre société. Aujourd'hui, nous choisi Limbé pour la 3e conférence qui a rapport avec jeunes.
Parce que souvent dit que jeunes c'est avenir au pays. On les nous garde comment jeunes ça yo yo quitté yo en dehors de réalité sociopolitique pays d'Haïti. Nous venons pour nous apprendre yo que dans 10 20 ans c'est eux qui pourra le responsable l'état pays a. Par conséquent, yo fait pour commencer à assumer. Donc quand et thème nan c'est jeunesse haïtienne face à avenir li responsable niwo a expliqué des journées d'information ça a déroulé sous éducation civique et citoyenneté. Ça KPD jeune yo connaît paysan c'est pour yo d'après idéal désalinier. Mais nous avons de sous-thèmes qui ont rapport avec éducation, éducation civique et sous les citoyenneté et nous capable dire que plus de 100 jeunes non sales qui ont réfléchi, c'est un gros causé. Et nous avons entre autres intervenants. Nous avons juge Marjorie Einstein qui a fait nommé dans le tribunal et Massachusetts, c'est un haïtien-américain. Nous avons Madame Carmel Bonomet. Nous avons tout intervention de docteur Yolette Iboquette. Nous avons tout intervention de plusieurs autres personnalités. Donc, c'était une journée réussie dans la mesure où tu as une interaction entre jeunes yo et intervenants. Yo. Ça fait que yo rappelé jeunes yo que le pays d'Haïti, c'est pour yo lié et que par conséquent, yo fait pour réapproprier. Pour qui ça, de telles formations? Parce que nous revenons au point côté que question civisme, question patrie, question drapeau pas existé en dans pays d'Haïti. Donc je dis à faut ou permettre que jeunes yo reconnecter avec pays ça pour yo pas suivre modèle qualité dirigeant que nous gen jodi a cap di volon l'état c'est pas volon ou bien plumé pour zami internautes comment nous y c'est toujours même plaisir à chaque fois que nous gen possibilité pour que nous capable rejoindre nous dans une seule idée non seul objectif pour que nous capable informer ou de ensemble information qui a dominé l'actualité. Mais je dis, nous allons faire un petit avec nous concernant le conflit ça, qui est sous route pour éclater entre la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti et KPS. En pile, nous avons demandé qui est KPS. KPS, c'est le service police kenyan. C'est policier kenyan qui en Haïti. Nous connaissons, yo fait partie de yon mission qui vient aider Haïti et yo vini dans l'idée pour que yo capable eh bien permettre que la paix retrouve en Haïti. Haïti retrouve la paix. Mais avant même nous venir avec plus de détails, li important pour nous rappeler que li c'est une obligation pour vous pour que vous capable abonner ensemble avec plateforme nous yo. Si toutefois vous pouvez faire ça, eh bien sous te fait ça, eh bien n'a invité au partager émission nou yo parce que émission nou yo c'est l'évangile et d'ailleurs ces plateformes ont besoin de toute information tout petit détail en rentrant dans sujet c'est qui s'allier est-ce que vivre ensemble a ka fait face à face avec la police avec ça qui gen en face yo là et bien faut nous dit que vivre ensemble nan c'est structure ça qui regroupe un groupe de gang. Eh bien, dans plusieurs zones, par rapport avec bras politique que vous gagnez, vivre ensemble, ça fait plusieurs mois là, côté que vous dominez paysan, vous mettez paysan à genoux. Même la police pas capable de camper en face de tout ça, qui relève vivre ensemble. Vivre ensemble, gagnez un chef qui vraiment intelligent la donne. Monsieur Sarile, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Barbecue, faut que nous rappelons, c'est un ancien policier. Comme ancien policier, Barbecue, l'icône institution la police, parce que il passait plusieurs jours, eh bien, en dans institution la police, pour me dire un jour, eh bien, on dit que Barbecue passait plusieurs années en tant que policier en dans institution la police. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, intelligent qu'il est, li regroupe tout monsieur armé sa yo, puisque li wè force monsieur yo, pour que yo te capable de contrôler le pays. Mais faut que moi dis nous que Jimmy Cherizier et
t'es presque prend contrôle pays parce que monsieur t'est venu en phase, il a attaqué des commissariats et des sous-commissariats, il a pris contrôle des commissariats et des sous-commissariats, vient faire que il a vienne plus confiance, il a vienne plus force et la police t'est commencé à réduire par rapport ensemble avec intensité, par rapport avec mental, par rapport avec moral. Je vous dis, faut nous dire avec l'arrivée de la mission mission qui vient aider Haïtiens, mission multinationale appui à la sécurité d'Haïti, mais faut nous dire que jodi là la police reprend confiance et la police reprend confiance par rapport avec tout eh bien premier ministre qui gagne à l'heure actuelle n'a parlé de Gary Conille et actuel directeur général police nationale là n'a parlé de Normile Rameau. Youn nan bagay ki important que premier ministre Gary Conille fait li montre que li bon côté policier yo. Youn nan bagay que Ariel Henry pat fait les que li tap dirige. Eh bien le fait que policier ouais que eh bien Gary Conille comme étant donné chef du gouvernement et responsable CSPN, Conseil supérieur police nationale, eh bien, policiers ont venu retrouver confiance. D'ailleurs, dernière sortie que Gary Conille fait, il dit policiers que, li ensemble avec eux, il prêt pour le bail, tout support, tout ça qu'il a besoin pour que yo capable de mener bataille ça. Et objectif là par l'autre, c'est un, récupérer territoire perdu, 2, récupérer quartier perdu, 3, récupérer caille perdu. C'est trois missions ça que monsieur PNHO et spécialement le directeur général de la police nationale d'Haïti n'a parlé de Normile Rameau gagné. Kounya là, les Normile Rameau gagné mission ça en tant que chef. Normile Rameau gagne mission pour que li capable motiver troublier. Et motiver troublier, c'est comment il va motiver troublier. D'ailleurs, nous t'es capable constater pendant semaine ça, gagne Normile Rameau qui était eh bien bel et bien présent bon côté premier ministre a parlé de Gary Conille et t'es gagne une représentant eh bien CPTO n'a parlé de docteur lui Gérald Gilles qui yo même t'es fait une visite pour que vous êtes capable à constater ensemble des gars qui arrivaient dans l'hôpital général, si c'est vrai que vous avez parlé de récupération de l'hôpital général, même je ne peux pas parler dans ce sens parce que bandi n'a pas occupé l'espace dans vrai. Bandi n'a pas utilisé l'espace de l'hôpital général, des fois, les a fait attaque. Depuis plusieurs jours, monsieur n'a pas fait attaque. Mais forme, dis-nous que, matin, te gagné yon ti réplique que bandi yo te tante bay devant l'hôpital général. Et la police pas seulement eh bien récupéré eh bien espace l'hôpital général là, li pas seulement eh bien faciliter espace ça pour yon rentre tout dans espace stade national Silvio 14. Depuis plusieurs mois, espace ça yo c'est des espaces rouges. Yon espace rouge pour population, yo espace rouge pour la police et yo espace rouge eh bien pour n'importe moun qui t'a vle porter tête yo vini nan localité sa yo. Fòm di nou matin, la police te mené yon opération musclée. Et c'est pas opération mais de préférence, on dit que la police te fait yon ensemble de patrouille nan zone stade national Silvio 14, nan zone rue Oswald Durand et surtout rue de la Réunion, toute zone sa yo te gagné plusieurs unités au sein de la police sans la donne. Et j'aime ça dit tout à l'heure, la police vient prendre confiance par rapport avec déclaration eh bien Normile Rameau comme premier comme chef du gouvernement. Normile Rameau déclaré que li ensemble avec la police et Normile Rameau déclaré que li prêt pour que li capable eh bien, bah la police, tout ça que y a besoin pour yon bataille. Et en tant que papa, policier ouè que yon capable, yon vle, et yon ouè que yon gen yon moun, ki bon kote yon, ki pap fè yon fè bak, ki pap fè yon décourager, au contraire, yon prêt pour yon bataille.
Pomme dit nous que hier mercredi qui était 10 juillet 2024 là, la police s'est fait porter bourré dans zone Bel Air. Depuis plusieurs jours, la police a préparé des interventions. Pomme dit nous que la police pas mené une opération Bel Air, mais la police fait une intervention préparée Bel Air. Parce que opération livre dit ça veut dire dans opération faut gagner infiltration, faut gagner tout renseignement pour que opération li capable bien passer. Tout autant que la police a préparé opération, la police dans opération la police gagne pour faire, la police pas préparé, la police sujet a fait bekate. A fait bekate parce que jodi la bandi yo gagne un mode opératoire. Jodi an la, bandi yo gen kontrol zon yo, bandi yo gen kontrol fief yo. Et si la police a préparé opération, la police pa boucle périmètre lan, la police pa empêche, gen de zon, gen de foyer de gang ki vle pote rapport pou yo pou yo kapab vini en renfort. Zone qui veut porter renfort pour la police pas gérer question ça, la police a synonyme pour faire bekate. Parce que je dis là, la police attaque yon zone tant kou Bel Air, faut que la police attend ni que yon zone tant kou village de Dieu qui pas trop loin ensemble avec Bel Air a porter renfort, a venir en renfort. Là la police a attaqué Bel Air, faut que la police connaît que je dis là gagné Delma 18, Delma 10, Delma 2, Delma 4, qui pas trop loin ensemble avec Bel Air. D'ailleurs, slogan c'est vivre ensemble. Yo mette yo pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble, pour théoriser ensemble, pour faire population mal ensemble. Qui donc, pendant que la police décide pour que li attaque Bel Air, faut gagner un groupe policier qui n'a périphérique Bel Air pour empêcher ensemble avec monsieur Delma 6, Delma 4, Delma 2 qui est en tête yo et yon certain Jimmy Cherizier alias Barbecue porter renfort by Bel Air. Pendant que Jimmy Cherizier a porter renfort, gen un groupe gang qui nan Simon Pelé et bien qui est en tête li yon certain Juma, yo ka profiter pour yo passer par Delma 3, de Delma 3 yo tombe Delma 18. Pendant Delma 18, eh bien, yo tombe Delma 6, Delma 4, yo tout joint ensemble avec équipe qui va aller en renfort avec Bel Air là pour que yo capable aller en renfort. Jodi a pense que force qui rentre en policier Kenya yo qui nan pays an, c'est yon bagay positif pour pays an. Pendant m'a parler de police Kenya yo, eh bien, m'a profité occasion pour me rappeler nous que hier, c'est pas deux tollés qui pas gagné au niveau de presse kenyane. Oui, yo fait tollé. La presse kenyane déclaré que 2 à 3 semaines que force policier kenyan yo gagné en Haïti, yo gen temps pour tes résultats. Et résultat yo pote, li pas ni yon ni deux, c'est que li permet avec Haïti récupérer plus gros centre hospitalier que Haïti gagné qui c'est l'hôpital général. Est-ce que vous entendez bien samedi? La presse kenyane depuis matin yo gagne un seul tollé yo a fait, c'est que présence policier kenyan yo qui en Haïti déjà commencé porter fruit, déjà commencé porter résultat, yo fait konnen que présence policier kenyan yo dans cadre yon opération que policier kenyan yo tap mené, yo facilité Haïti récupérer plus gros centre hospitalier que yo gagne qui c'est l'hôpital général. On va tirer là talè n'ap tourner sous sujet principal là, élément principal là. Est-ce que ça que monsieur dit, est-ce que c'est vérité? Bon, analyser ensemble avec nous. Si l'analyse que nous allons faire avec nous là, c'est que oui,
Haïti récupéré, puis gros centre hospitalier, Haïti pas récupéré. Parce que l'hôpital général, maladie obligé pas arrêter, docteur obligé pas arrêter, parce que dans un premier temps, dans le moment que Bandi a attaqué prison civile, n'importe où, ça n'a pas parlé de pénitentiaire nationale, il a été servi de l'hôpital général pour qu'il soit capable de faciliter l'opération qu'il a faite. Pour qu'il soit capable, eh bien, arriver à l'objectif qui s'est crasé prison civile. Là, on a parlé de pénitentiaire. Dans le moment ça, monsieur a été fait un pile de gars et a été rentré à l'hôpital général. Il a crasé un pile matériel, il a crasé un pile cabane, il a crasé un pile. Il y a un pile dossier, monsieur Okrasé. Jodi a la gen moun qui malade qui gen dossier au l'hôpital général, mais yo capable joindre l'hôpital, yo capable joindre dossier au l'hôpital général parce que gen un pile dossier monsieur yo chiré, yo crasé, yo voyé à terre pendant yo t'a mené plusieurs opérations pour te abouti ensemble avec objectif yo qui c'est prendre palais national écrasé et bien pénitentiaire national. Nan objectif que yo te gagné qui te gagné deux phases, faut nous dit que yo rivé réussi avec phase pablier l'hôpital général, automatiquement ou fin traverser la rue hein, ou ap rivé dans deux palais national. Et de vous dans deux palais national ou en deux palais national, ou ap capable prendre palais national. C'est une raison qui fait que monsieur te visé l'hôpital général. Eh bien monsieur pas traité vrai en dans l'hôpital là. Yo pas traité en dans l'hôpital général. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que pas gagner réplique par rapport avec la police nationale d'Haïti. Avant même PM dans te vini, opération a été menée dans la veille et PM n'a gagné garanti que mais pas gagner pièce danger, pas gagner pièce piège dans espace là, PM n'a té dans tête de délégation qui t'a gagné Normil Rameau et te gagné tout, eh bien, yon da représentant CPTO n'a parlé de docteur Louis Gérald Gilles. N'a pas parlé ces deux docteurs, docteur Gary Conny et docteur Louis Gérald Gilles. Mais automatiquement, monsieur yo, yo te arrivé dans l'espace là, yo bay garanti que l'hôpital pral fonctionner pour population haïtienne là, l'hôpital là pral au service de population haïtienne là. Pendant plusieurs fois, Gary Conny a intervenu, l'a réagi. Femme dit nous que Gary Conny lui toujours félicité la police nationale d'Haïti. C'est dans l'idée pour que lui capable remonter moral PNH, remonter moral agent qui fait partie de l'institution ça, qui c'est la police nationale d'Haïti. Mais automatiquement, monsieur, c'est comment c'est une prendre confiance. M'a parlé de monsieur Vivant Samyo. La police dit ça c'est pas capable de camper en face. Monsieur arrivé en phase, il a commencé à attaquer des commissariats et des sous-commissariats. Il a même arrivé à attaquer Kay ancien directeur général là, on a parlé de France LB. Malgré des monde qui dit que attaque ça, c'était une attaque programmée, c'était une attaque sous la forme. Mais nous pas prêter là. Monsieur Vivant Samyo commence pas confiance. Chalet commence à descendre. C'est pendant que eh bien, force multinationale, la police kenyane commence à débarquer dans le pays. Automatiquement, il a annoncé que la police a venu. Gagné monsieur Jimmy Cherizier. En plus, vous connaissez son nom Barbecue. Monsieur l'a regardé sur l'écran. Il fait une démonstration de force. Dans la démonstration de force, là, il prend plusieurs jeunes garçons, examen dans mes yeux, nous capables de garder sur l'écran là, dans la base, pour montrer que il prend déjà la tonne force kenyane. Bon, évitez-nous tendre démonstration, monsieur, à Gozab dans mes yeux, pour nous avancer ensemble avec réflexion. Bon, monsieur Kale, et j'en ai toujours dit nous-mêmes, nous vivons ensemble, et ma prévité pour le monde entier. Et contrairement à ça, mon APC fait mon point, et là nous parler de dialogue, en pile, mon dit qu'on s'accueille, c'est faire nous paix,
et c'est pardon n'a demandé qui fait nous n'a parler de dialogue. Je dis à penser que mon qui gain formation militaire qui gain au moins on connaissance en sécurité dans la police, on connaît que même soit boumen et que faut toujours quitter une porte ouverte pour dialoguer. Nous même réponse ta bail nous clair. Nous c'est patriotes, nous c'est nationalistes qui aiment pays ça. Et tout ça qui est bon pour le pays, nous même nous prêts pour nous entrer dans des marches qui sont bon pour le pays. Et pas des démarches personnelles, des marches côté nous besoin d'argent, nous besoin de belle caille. Non. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est la majorité, c'est collectif là. Même Jean-Thomas Sankara te dit, tant pour nous chanter à un petit groupe, nous préférons de l'eau à tout le monde. Je dis à nous-mêmes qui sommes ensemble, mais nous vivons ensemble, nous promets pour nous jouer de l'eau pour tout le monde. Je reconnais que un paquet de groupes vivent ensemble, qui font un paquet de bagages qui sont mal. Et que la société a décrié. Mais je dis, en tant que petite Dessaline, bon petite Dessaline, j'aime dire, et pas contre petite Dessaline qui a cherché job, qui a cherché manger. Nous, même nous, c'est bon petite Dessaline, je dis, nous ne pouvons pas quitter aucune troupe étrangère qui vient d'assassiner mon pays. Au péril de notre vie, qu'est-ce qu'on nous coule, on a continué à gommer jusqu'à la dernière goutte sans nous, pour nous défendre l'intégrité et la souveraineté du pays. Normalement, il faut savoir, est-ce qu'on a pu faire le job ou est-ce qu'on a pu vivre ensemble? Et vivre ensemble en mode d'observation. Nous avons été en deal, et contrairement avec les journalistes au pays, les journalistes d'être en bas, qui ont fait toller, qui ont fait quoi pendant la force l'avenir, que nous avons parlé de dialogue. Et depuis deux ou trois jours, nous avons été en train de parler de dialogue déjà. Et nous-mêmes, nous sommes répétés déjà. Là, tout ça que bon pour payer, on a pris la donne. Mais si c'est vous-même pour nous, vous-même, pour payer à changer, nous prêts pour nous, vous-même, pour payer à changer. C'est 2 millions de monde qui sont morts au Rwanda qui permettent que Jodia ait un carré souffle qui permettent qu'il y ait un vivre. Jodia, c'est vous-même pour nous, vous-même, pour changer les conditions de la vie, nous sommes vous-même. Et même si moi-même, quand je parle de Jimmy Chéri, c'est barbecue. Nous sommes morts, parce que la relève est assurée, après nous sommes capables pour continuer à faire bataille. Merci. Est-ce que nous, ouais, monsieur qui s'est parlé à l'irrelé Jimmy Cherizier, il est dit nos jouets de barbecue. D'ailleurs, il connaît plus sous nos barbecues que Jimmy Cherizier. Automatiquement, monsieur apprend que force dans un pays, lui fait démonstration ça. Une démonstration de force pour le montrer. D'ailleurs, démonstration ça tellement bien arrivé, gagné représentant la Russie. Pendant que tu as participé dans la réunion des Nations Unies, d'ailleurs c'est là aussi qui t'a présidé la réunion, ça, lui parlait de ça. Lui dit en Haïti, il y a plusieurs groupes de gangs et monsieur a toujours un gros abnamé, il n'y a pas peur d'afficher, eh bien, pour voir un message clair, la communauté internationale pour montrer que j'ai bien armé. Et le représentant russe, là, lui fait qu'on est que l'alpine loin pour le dire que c'est les États-Unis qui responsable. Jodi an là par rapport avec ça pral gela, par rapport avec ensemble opération la police pral préparer avec l'armée d'Haïti ainsi que force multinationale là, monsieur a senti que yo troublé. Est-ce que opération ça yo a réussi? Si y a opération, nous c'est premier moun m'a dit qui c'est premier moun k'a dit que oui opération a réussi. Pour qui ça opération a réussi? Parce que d'habitude les la police a mené opération nan fièvre gang yo, la police pa gen matériel. Ça c'est une raison qui fait que eh bien opération yo kon pa réussi. Deuxièmement, il y a un ensemble de données, il y a un ensemble d'informations. Actuel directeur général police nationale d'Haïti, Normil Rameau Gueye, la prend des dispositions. Puis, la pièce policier pense que, dans le moment où il a fait opération dans le foyer gang, il a dit assistance avec le téléphone. Non, loin de là. Mais quand il a fait opération, pendant qu'il a dans la machine, il a avec le téléphone, et bien, la texte, qui est-ce qui a écrit? Pendant que, ton j'aime te dire que, Jimmy Cherizier, en dans la police, le fait que lui c'était un ancien policier, le fait que lui en dans la police, il y a plusieurs amis qui n'ont unité spécialisée, il y a plusieurs promotions qui font partie de la police, là, eh bien, si toutefois, il va attaquer, il y a un ami qui va dire ah, babé, Saddam. Nous va te continuer dans Saddam ça.
Ah, il a privé sous oui. Pendant que il a dit ça, l'a préparé. La preuve est bien grande. La police t'a mené une opération. Même que Jimmy Chézier dit, c'est catalogue, c'est pas la police. Catalogue, c'est qui est-ce? Catalogue, c'est un bon ami Jimmy Chézier, je dis, là, qui est ennemi. Zami, ça, c'est lui-même, d'après Jimmy Chézier, qui compte acheter des armes pour lui. Qui compte porter des armes la police, venir. Gaz la police. Et Zami, qui compte lancer gaz là. D'après Jimmy Chérizier, c'est la police ça qui compte faciliter le jeu de matériel. Eh bien, je dis à Yovin lettre à Citron. Divorce en fait entre eux deux. C'est parce que, eh bien, monsieur qui est le catalogue là, Jimmy Chérizier fait connaître que Libal Mioncom, il y a un montant de 7 000 $ américains. Le catalogue prend comme ça. Li blase, Jimmy Chérizier, li balmato, li papote, ni kob, ni zambali. Pendant que barbecue te balachete zam. Le barbecue relèl, li di barbecue li enfasi, el décide pour la mener opération, li prend machine si institution la police la, li prend plusieurs unités, li prend plusieurs éléments dans l'unité, et puis yon pote bourré Delma 6, Delma 10. D'après information qui vient joindre moi, c'est que li promet monsieur qui t'a accompagné lui, li te promet yo l'argent. Elle ba chaque monsieur au cob malgré que nous pas gagné montant. C'est pas sans raison qui fait que Jimmy Chérizier t'est obligé mettez en vidéo dehors pour t'être capable de parler de ça. Eh bien, je vous le dis, hein, monsieur senti yo paniqué par rapport avec présence force. Yo senti que yo gen problème parce que force gen baye nan mel parce que monsieur qui vient là yo pas vini avec 2-3 graines cartouche. Yo konnen monsieur bandi yo chargé cartouche. Si c'est vrai la police pral nan opération, yo toujours a calculer cartouche pour baye policier yo et même monsieur qui gen yo là, yo vini avec cartouche et les États-Unis gen plusieurs boîtes. Plusieurs boîtes qui ont cartouches de divers calibres, yon rentré là, qui déjà à disposition. Yo. Et jusqu'à présent, monsieur Kenya, yon dit, yon tête prête, yon tête grasse, ça ou vin faire yon konel. Et pas de pièce pourcentage. Même à 0.01%, yon pas échoué. Parce que yon compte très bien, ça ou vin faire. Yo kon très bien côté opinion, yo kon très bien eh bien mission yo. Ki donc yo pral accompagner la police dans nan quatre mission yo, nan quatre opération yo pour que yo capable bay résultat. Et mais faut que nous dit que hier la police t'ai fait un pote bourré Belair. Je me tape dit tout à l'heure, li important pour que la police bien gérer opération yo. Pour éviter renfort pour te bail, surtout dans le foyer de gang. Parce que je dis, si la police décide d'amener opération Croix des Bouquets, en parlant de Croix des Bouquets, il faut me dire que l'envoi s'en joue très fricate. Et monsieur, depuis avant-hier, il lançait dans une opération de eh bien, barricade. Si c'est vrai, ancien avocat peuple, bon, il y a des gens qui dit, est-ce que tu es avocat peuple vrai? André Michel, tu toujours dit population barricade, c'est avenir. Et population, tu es campé en phase, côté que tu as mis des barricades pour empêcher les bandits de rentrer dans des zones, de kidnapper quelques membres de la population. Et tu as barricadé quelques zones, plusieurs zones. Monsieur Bandi, tu as apporté des résultats. Yo mette barricade et surtout l'an mois sans jour li barricade espace et bien lycée Croix des Bouquets. À quel fait pour la police pas rentrer, pour force Kenyan pas rentrer et yo fait plusieurs trous. Pendant que l'an mois sans jour blie que mais si la police a bien matériel pour capable contrer carré, yo
Si la police a bien matériel, tout pas qu'à faire au peur. Du feu pas qu'à faire au peur. Faut que la police bien gère ça. Pendant yo pral mener opération nan fièvre gang yo, si toutefois la police est capable préparer des opérations et si, simultanées, il est vraiment important. En même temps, la police attaque Bel Air, yo attaque Badelba, gon groupe qui attaque Simon Pelé, les ça, pas capable de renfort. Distance pour l'homme 100 jours, distance pour chez méchant, soit la plaine, l'homme 100 jours, soit quoi les bouquets, pour le capable de porter renfort, l'autre nèg douya pour porter renfort, la vraiment difficile pour yo. Et les ça, faut que la police essaye de contrôler tout périmètre yo. Pendant la police a goumé avec Simon Pelé, il faut gagner plusieurs policiers kenyans qui sous route nationale numéro 1, sous route de l'aéroport, faut monsieur en dans tout pour empêcher des passages. Et la police motivée pour capable traquer nèg exam yo. Et monsieur Kenya yo même, yo dit c'est seulement l'ordre yo attend. Relé aujourd'hui à la pluie la bataille, yo pral la bataille. Dans dernière sortie, porte parole, dans dernière sortie de GPNH, n'a parlé de Normin Rameau. Monsieur en fait connait que yo pral dit qui joue yo mené opération. Yo grand matin population seulement ouais, la police attaquer telle zone. Telle zone récupérée par la police et actuel porte parole PNH, l'absolument vini pour le bail, yon rapport. Yon rapport de quantité moun qui tombe, de quantité bandit la police stoppé. Parce que d'après des géants, gen deux missions la police bail bandit. Mission c'est un, peut-être ou vini examen, deux, yon stoppé. Et pas stoppé, d'après porte-parole, eh bien, vivant ensemble, Jimmy Cherizier, nous plus capables de rentrer dans la phase topéen que la phase pour tes âmes remettre. Dans le cadre d'opération, je ne dis pas opération, j'aime te dire, opération ça préparé. Intervention qui est faite hier, elle est préparée, oui, mais opération, elle est plus compliquée. Dans le cadre d'intervention qui est faite hier, il y a plusieurs nègres qui étaient pour à terre. Il y a plusieurs qui tombent. Et c'est une raison qui fait que monsieur très fricat. Depuis le matin, nous sommes capables de constater que il y a plusieurs voix qui sont obligées à prendre la rue. Barbecue fait voix. Jeff Gaulois fait voix. Gagné Chris là fait voix. Ce n'est pas pour ça raison. Et une objectif, monsieur, c'est négociation. Et monsieur dit ça. Même un temps de guerre, il y a une négociation. Qui donc? Maman petite Marie. Ça qui te gagne là hier, là, c'était juste une démonstration. Yon avant. So j'aime dire nos policiers sont très motivés. Le fait que la police est très motivée, les policiers kenyan yo, yon attend l'autre, bagay lan ap senti di. Kounya là, est-ce que vivre ensemble ap capable de contrecarrer? Ça qu'on parle là. En tout cas, nous toujours dit, satellite nous en l'air, nous avons suivi l'information. Côté information, nous avons mis le satellite nous pour que nous capables de nous informer. Nous avons pris plaisir pour que nous soyons capables de porter éléments d'information pour nous. Par rapport à la situation qui est là, par rapport à la bataille qui est capable de gagner dans le jour qui est venu là, entre vivants et la police, pour nous montrer la faisabilité. Pour nous montrer, est-ce que vivant ensemble est capable de camper la bataille? Est-ce que, j'ai toujours dit, est-ce que vivant ensemble est capable de camper Goumé? Est-ce que la police va continuer à casser Beckley dans l'opération que d'habitude nous avons mené dans le foyer de gang? Nous avons demandé pour que nous soyons capables d'abonner, si toutefois nous pouvons faire ça, partager la vidéo pour plus de nous capables de regarder. Et pas oublier, quitter un commentaire pour nous.